Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi, et qu'est-ce qui se passe les mercredis? Bah le mercredi, c'est poney. Les mercredis, c'est les cours d'équitation des Kids Cattleman au Longhorn Ranch. Ma maman est là, donc c'est pas moi qui fais cours, donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais en profiter pour remettre en route Smarty, qui n'a pas bossé depuis un mois. Enfin, on a fait quelques petites séances de travail à pied, par-ci, par-là, mais aujourd'hui, on se remet vraiment au boulot. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais bon, ça devrait le faire, une petite détente tranquillement. J'ai pas pu vous poster de vidéo ces dernières semaines, en fait, tout simplement parce qu'il y a du très lourd qui arrive sur ma chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'activer la petite cloche et de partager ça un peu autour de vous si ça vous fait plaisir. Et je disais donc qu'il y a des grosses vidéos en cours de préparation et du coup je vais vous faire patienter un petit peu, mais ça tombe bien, je vais vous emmener avec moi pour la remise en route de Smarty. Donc c'est parti, je vais préparer l'animal. Qu'est-ce que tu fais? Il est con. Allez, saute. On se retrouve en voix off, donc je ramène Smarty dans la carrière et je commence toujours par des petits exercices à pied. D'habitude j'y passe vraiment beaucoup plus de temps que ça, mais comme je devais aller travailler après, j'aime pas trop ça, mais j'ai dû écourter un peu ce que je devais faire. Ça tombait plutôt bien parce qu'il a été très très réceptif à mes demandes. Et le but de travailler à pied d'abord, c'est de capter son attention, parce que c'est un cheval, vous le savez depuis que vous regardez mes vidéos, c'est un cheval qui se déconcentre beaucoup. Donc le fait de travailler à pied comme ça, ça permet de l'échauffer, mais aussi de créer du contact avec moi et vraiment qu'il soit vraiment concentré avec moi dès le début. Donc voilà, après des petits exercices tout simples de reculer, de ramener, de désengagement des hanches, des épaules et de mise sur le cercle, et ben je décide de monter à droite parce que ça fait longtemps pour moi et ça fait longtemps pour lui aussi. Donc voilà, petite flexion d'encolure pour pas qu'il bouge et puis c'est parti, on monte à droite. C'est pas très académique hein, parce que j'ai pas hyper l'habitude de monter à droite hein, pour l'instant, mais en même temps tout le monde n'a pas l'habitude de monter à droite, donc voilà. Donc je commence à l'échauffer au pas et en même temps je lui fais faire des petits exercices pour éviter qu'il se déconcentre. En fait je change tout le temps d'exercice, même quand on est en phase d'échauffement. En fait je commence par des flexions d'encolure, par des mouvements très simples de déplacement des épaules et déplacement des hanches. C'est toujours dans l'objectif qu'il soit avec moi pour éviter qu'il regarde ailleurs et qu'il se concentre sur autre chose que moi. Et à ma grande surprise, il était vraiment concentré et il était même mou. Donc comment vous dire que ça arrive pas souvent. Quand on commence à trotter, je le laisse toujours descendre son encolure à fond pour qu'il étire son dos justement. Et je continue à changer d'exercice tout le temps, à faire dès le début des transitions, pareil, pour éviter qu'il se déconcentre et pour qu'il m'écoute. Et puis là, comme vous pouvez le voir, et à ma grande surprise, il arrive à se détendre super facilement et en fait, il écoute très très bien. Donc après quelques transitions trop pas trop, on passe directement à des stops et à des reculés.
pareil au galop, je galope toujours reine longue au début et puis j'hésite pas à faire des petites transitions, pareil pour le garder avec moi. J'ai même regardé si l'arrêt d'urgence marchait et ma foi, il me l'a très très bien fait aussi. Là, on arrive dans la phase de l'échauffement où je vais tendre un peu plus mes rênes et où je vais demander un peu plus d'impulsion. Bon, rien de méchant, encore une fois, hein, c'est pour l'encourager à descendre son encolure et à engager un peu plus ses postérieurs. Chose un peu compliquée aujourd'hui. Et bien sûr, je varie tout le temps les exercices, hein, les transitions, les courbes, les lignes droites, parce que soit il se lasse, soit il se déconcentre. Et aujourd'hui, c'était plus je me lasse, mais il était quand même très à l'écoute et ça, c'est plutôt cool. Donc je continue toujours mes transitions et mes courbes, voilà, je travaille les départs au galop qui me fait très très bien. Et je commence à demander un peu plus d'engagement dans les courbes et les courbes me permettent aussi d'avoir un peu plus de flexion, ça vient un peu plus facilement pour lui. Mais bon, en général je lui demande pas non plus trop de flexion verticale parce qu'il a tendance à s'encapuchonner un peu facilement. Donc je préfère miser tout sur la décontraction et on voit que ça marche plutôt bien. Et là, je lui fais une petite séance de gratouille. Je fais ça à chaque séance. C'est pour lui permettre d'être plus disponible avec moi. Et puis, il aime ça. Donc, voilà, c'est sa petite pause. Et puis, ça lui permet d'être plus concentré après. Bon, il a peur de ma main. Mais bon, voilà, c'est Smarty. Ça reste Smarty. Mais en tout cas, il était très très bien aujourd'hui. Ma caméra s'est éteinte. Oui, j'ai une nouvelle caméra et du coup, je sais pas trop comment l'utiliser. Donc après, je suis allée un peu plus fort dans la pulsion et dans les flexions pour lui permettre de travailler un peu plus son dos. Et j'ai travaillé beaucoup les départs au galop et les changements de pied au galop. Et il m'a fait ça très très bien. C'était une belle remise au boulot. Et en tout cas, je suis très très fière de lui. Donc au final, vous n'avez pas la totalité de la séance, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. La nuit tombe déjà, donc ce qui veut dire que je dois bientôt partir au boulot, genre dans 5 minutes, et du coup que c'est la fin de cette vidéo 100% Smarty, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, suivez-moi bien sur les réseaux Instagram et YouTube, parce qu'il y a du très très lourd qui va sortir très prochainement, donc je ne vous en dis pas plus, et puis on se retrouve sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, et moi en attendant, je vous dis à la prochaine, ciao ciao !